Coucou mes choup-choups, comment allez-vous? Comment vont mes modos, mes sponsors, mes petits choup-choups d'amour et la team Rediff bien sûr parce qu'on vous kiffe, je ne vous oublie pas. Comment allez-vous? Je suis juste trop contente de vous retrouver pour continuer le derrière. Vraiment, j'étais hypée toute la semaine, j'étais en mode ah j'ai trop envie de faire la suite. C'est qu'un épisode par semaine ça frustre un peu, enfin un épisode, un live par semaine ça frustre un peu, mais en même temps faut faire ce qu'on peut. Hein. Merci mon coucou pour ton don, parce que oui je vois même les dons avant que j'arrive, ça s'affiche sur une petite fenêtre exprès. Merci beaucoup, comment allez-vous? Je suis trop contente. Alors, on a une heure pile. L'objectif, c'est de finir l'épisode 4. Si on peut pas, c'est pas grave, tu vois. Mais si on peut, ça serait cool. Et éventuellement, commencer le 5 dès aujourd'hui, comme ça, bam! Je vais très bien, et vous? Quoi de neuf? Tu portes ta belle chemise. Oui! Avec ma nouvelle couleur. Pour ceux qui ont Instagram, suivez-moi sur Instagram, je raconte ma vie sur Instagram. Comment va Merlin et toi et le Cux? Tout le monde va bien, j'ai acheté un violon au Cux hier, il me casse les oreilles depuis avec, il est très content. Merlin va bien, il fait la sieste au soleil, et moi je vais bien, vous êtes là, je suis en live. Alors, est-ce qu'on n'attaquerait pas tout de suite? Parce que là, vraiment, je veux savoir, je veux savoir, je veux retrouver mon Evra d'amour, je veux retrouver mon amoureuse. Voilà, je sais, je suis supposée être un peu rancunière envers lui, mais bon, de l'eau a coulé sous les ponts depuis la dernière fois. Alors attends, alors je vous cadre correctement, parce que c'est toujours le même problème, voilà, là on est pas mal. Donc oui, il nous manquait la sève de cyprès doré puisque Penisman nous avait donné un morceau de cristal et on avait dit « Ouais, le cristal, on va le garder, hein, parce que c'est une bonne idée de le garder et puis on le donnera quand on partira, voilà. » Bravo, bravo Tibouchou. Du coup, cassons-nous de là, du coup, parce qu'il n'y a plus rien. Et je suppose que c'est ça. J'ai trouvé la sève. Ok. Ah, voilà de la sève. Je vais pouvoir apporter tout ça à Ezarel. Alors, je rappelle pour les surnoms, hein, quand je dis Azazel, c'est pas que je me gourde de nom, c'est que Azazel, c'est le surnom d'Ezarel. Voilà, parce que je trouve ça plus joli. En fait, c'est pas vraiment un surnom, c'est plus. Je l'ai renommé, en fait, carrément. Allez, on rentre. Oh putain, faut que je retraverse tout. Oh non, en plus, je suis paumée là-dedans. Déjà, je me retrouve pas dans la ville. Ah, c'est bon, la ville est là. Allez, on rentre. Par là. Par là. Par là. Par là. Oui, on est pas mal, je crois. Oui! Yes! Je me suis pas trompée! J'étais concentrée là. Penisman juste à haut. Mais oui, celui qui a le casque là. Tu sais? Alors, les demandes d'amis sur Aldaria, je les accepterai plus tard. Hein. Mais je les accepte, vous inquiétez pas, il y a un bouton accepter toutes les demandes. Donc j'accepte, y a pas de souci. Laboratoire d'alchimie. Ezarel est toujours en train de lire. Voilà, j'ai tout. Non. Il me manque un œil de changelin. Un œil? Mais. Oh, ça va, ça donne un très beau goût à la potion. Parce que je vais devoir boire ta mixture après? Non, non, bah non, c'était pour repeindre les murs, dis donc. C'est con, hein? Pourquoi pas? C'est pas drôle. Et je le trouve où, cet œil? Putain, il pouvait pas me le dire en même temps, non? Oh, relouman, va. Je crois que Kero en a laissé traîner un dans les tiroirs de la bibliothèque. Ok, j'y vais, mais la prochaine fois, note-moi tous les ingrédients. Ouais, ouais, si j'y pense. Allez, va te faire... hein? Ah bon, voilà, va te prendre une corne de truc dans le cucus, ça te fera pas de mal. Mon pauvre Kero, ça se trouve c'est juste un gros troll, parce qu'il adore faire chier Kero. Je serais pas surprise, hein. J'ai tellement hâte de te voir au Little Doll. Moi aussi, je pars à Strasbourg demain pour le salon en Alsace. J'ai hâte de vous voir, vraiment. Je suis arrivée dans la bibliothèque. Après avoir fouillé l'ensemble des tiroirs, je n'ai rien trouvé qui ressemblait de loin ou de près à un œil. J'ai décidé de retourner voir Ezarel. Peut-être que Kero l'a déplacé. Ou alors, il nous a juste pris pour un jambon. Je suis sûre, c'est une connerie. Je suis sûre, il nous avait perdu du temps. Ezarel, je suis désolée, mais j'ai trouvé aucun œil dans les tiroirs de la bibliothèque. Ah bon, tu es sûre? Oui. Tu as bien fouillé partout. Absolument. J'ai même mis une sacrée pagaille dans les affaires de Kero. Faudra que je m'excuse. C'est ça, j'en étais sûre. Quel saligo! Tu ne dis rien? Ha ha ha! Ezarel, me dis pas que... Ha ha ha! Bravo, bravo, bravo Ezarel. Ma petite Manon, une personne qui m'offre si souvent le sourire. Oh, merci ma choupette pour ton don, merci beaucoup. Alors, la première, je pense que c'est... En fait, Ezarel, je pense qu'il faut le temps de l'adapter, tu vois, de l'apprivoiser un petit peu. Je pense que la première, elle est trop frontale. La deuxième me fait rire, donc je dirais comment est-ce... Je vais baisser le son un petit peu pour les notifs, parce que c'est pas... Aïe. La prochaine vidéo Campus Live, ce sera dimanche. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je dirais comment je peux y croire. C'est ce qui me semble plus fataliste et ça va le faire rire encore plus, tu vois. Donc, Azazel est un gosse. Oui, clairement, on est d'accord. Hein.
La A, la C, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi en fait. Ah là là, c'est qui ton crush? C'est Nevra pour le moment. Le rire que tu lui as fait, mais c'est vrai! A, B, Thibaut, on est habillés pareil. Connexion, Miss Gloss. Vous n'êtes pas du tout d'accord. Il y a A, B et C. Vous êtes... C'est pas possible d'avoir moins d'accord. Bah moi, je vais suivre mon intuition. Vu que vous n'êtes pas d'accord, je vais me suivre moi-même. Comment ai-je pu y croire? Je me le demande aussi. Tu rêves vraiment pour rien, hein? Avoue que c'était drôle. Fouiller la bibliothèque pour rien? Pas vraiment, non? Ça va, il a l'air de bien le prendre. J'ai regardé les Arelles sans ajouter un seul mot. Quoi? Rien. C'est vrai qu'en y repensant, c'était de bonne guerre. Par contre, tu m'excuseras, mais je n'ai pas fini de préparer ton test. J'imagine que tu ne me veux pas dans tes pattes? Exactement. Ok, j'ai compris, je reviens plus tard. Je suis sortie de la pièce. Bon, il faut que je discute avec tout ça! C'est une plaisanterie! Oh mon Dieu, je vais marcher 10 siècles! J'aime ton haut. Merci! Oui, il y aura une rediff, bien sûr, parce que la team rediff, on vous kiffe. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille? Je ne sais pas. Ah! Alors, elle, c'est qui? C'est Icare? Je crois que j'ai trouvé un moyen mnémotechnique. Si c'est Icare, ça fait Icarotte. Carotte, lapin. Ah, hé! Non, parce que je la confonds avec l'autre. Du coup, Icarotte, Icarotte, c'est oreille de lapin. Si c'est ça, par contre, faut pas que je me sois gouré de meuf. Si c'est l'autre, Icare, je suis mal, mais... On peut voir les LOM. Oui, je pourrais. Bah, je vais aller voir à la fin du live. Tu n'es pas trop inquiète à l'idée de tes résultats? Non, pas vraiment. Ah bon? Bah ouais, je sais bien que je suis humaine. Je serais toi, je parlerais pas du Drafa... Quoi? Je serais toi, je parlerais pas du Drafaiel sans pointer le... sans pointer du doigt le bout de ses ailes. D'accord. Ok, si tu le dis. Elle a l'air soucieuse. Bah non, on n'est pas potes quand même. La meuf, ça fait 2 fois que je la vois. Non, 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 non. Reste dans ta bulle, meuf, y a pas de problème. Je la connais pas trop, je ferais mieux de pas être trop curieuse. Bon bah, à plus tard. Attends, Tibouchou! Oui? Je voulais te présenter mes excuses pour tout à l'heure. Ça ne devait pas être très plaisant de te faire assaillir par Alagéa et moi sans raison. C'est Alagéa l'autre, c'est ça. Icarotte, j'en peux plus. Ah oui, elle est bien. Ah oui, il est bien, Icarotte. C'est bien trouvé quand même. Hein. Et Alagéa, par contre, c'est celle qui a des gros boobs, mais c'est dur de faire un rapport entre Alagéa et boobs. Alagé boobs, c'est moyen, tu vois. Non, Icarotte, ça sonne très bien. Par contre, Alagéa. Coucou Naya! Les moyens mnémotechniques de Thibou. Bah ça marche! Ça marche, hein! Oh, c'est pas grave. Oh, elle est mignonne, elle s'est excusée, petite bichette. Dans le garde-manger. Oh! Hé, hey, Thibouchou! Oh, bonjour, toi. Alors, tu leur as donné mon cadeau? Tu parles du morceau de cristal? Ben oui! Oui, je leur ai donné. Et alors, ils ont dit quoi? Ah, ils étaient étonnés et contents aussi. Ah, tant mieux! Comment va ton familier? Tu as maigri, Thibou? Oui. Maman l'a fait éclore. Regarde comme il est mignon. Ah oui. Oula, oula. Oh! T'es mignon, mais reste loin, d'accord? Oh, il est trop chou. Je l'ai appelé Rodrigo. Attends. Hey, copyright, mon Rodrigo, hein? Vraiment? Le mien aussi s'appelle comme ça. Je sais. Une femme a appelé le petit et il est parti en courant. C'était sans doute sa mère. Bon, on va espérer, sinon c'est un kidnapping. Je me demande quand même comment il a su le nom de mon familier. J'avoue. Bon, c'est pas un mystère près, hein, franchement. Rappelle-moi tous les surnoms que t'as trouvé, Thibaut, pour qu'on se marre. Dans tous les jeux ou juste dans celui-là? Parce que rien que dans celui-là, déjà, il y en a pas mal. Hein. Il y a Dada, Azazel, Vampire, Valkyonu aussi. Après, il y a RuPaul aussi pour Miko. Et on est déjà pas mal. Et Gruikui pour, Val pour Jamon aussi. Rodrigo Bis, mais grave! Et Larguiboobs. Pfff. Non, non, à la GA, c'est à la GA. Tant que j'ai pas la fibre, ça, tant que ça me vient pas tout seul du ciel, faut pas forcer. Bon, je vais où maintenant? Alors, Ezarel a fini le test? Non, il m'a demandé de faire un petit tour en attendant. Coucou Valkyonu! D'accord, tu appréhendes? Pas tellement. Je suis une simple humaine après tout. On est d'accord qu'elle le répète beaucoup trop pour n'être qu'une simple humaine. Hein. C'est trop obvious qu'elle va pas l'être, on est d'accord. Dada le cochonou. Oui! Thibaut, tu t'es fait une teinture. Oui, j'ai refait ma teinture hier. Vous êtes plusieurs à avoir posé la question d'affilée, donc. C'est vrai que je ne vois pas trop de quelle race tu pourrais être. Il y a beaucoup de créatures différentes ici. Tu n'as pas idée. J'aime beaucoup quand il a son petit sourire, genre. Tu vois?
J'imagine qu'il y a des fées alors. Oui, on en croise de temps à autre. Alors la première, c'est genre la pire chose au monde, genre est-ce que c'est vraiment aussi stupide que chez moi? Non. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ou j'aime bien les fées. J'aime bien les fées, on s'en fout, puis ça se trouve elles sont pas du tout pareilles ici, donc qu'est-ce qui leur est arrivé? Je sais pas trop. Elles se sont faites de plus en plus rares depuis que le cristal a été brisé. C'est triste, mais on n'a aucune nouvelle d'elle donc? Pas vraiment. Oh. Tu es peut-être une fée, toi aussi. Est-ce qu'on considère cette phrase comme du flirt ou pas? Parce qu'une fée, c'est quand même sexy, tu vois. C'est quand même pas mal, une fée. Est-ce qu'il flirterait pas un petit peu avec nous, Valkyonou, tu vois? Un petit peu. T'es super jolie, Thibou, hâte de te voir au Little Doll. Moi aussi, Léonore, j'ai vraiment hâte. Ça va être trop bien samedi et dimanche. je ne crois pas. Nous verrons bien. Il est beaucoup plus posé que Nevra. Hein. Ce qui, en soi, je peux comprendre que ça plaise, hein, mais moi, du coup, j'aime bien le côté un peu séducteur. De Nevra nous Humaine ou pas? Quoi? Le test, il a révélé quoi? Oh, ça! Il n'est pas encore prêt. Ezarel m'a demandé de patienter encore un peu. Je serais franchement étonnée que tu sois une fairie. Ah bon, pourquoi? Tu sens vraiment l'humaine. Icare a dit la même chose. Elle est rentrée? Oui, je l'ai vue en allant dans la forêt et. Je parie qu'elle t'a ramenée auprès de Miko. Ouais. Il a levé les yeux au ciel. Il est quand même beau. on se rappelle de Clochette. Ah oui, dans mes amis IRL, oui, effectivement. Bon, on l'a vu hier, Clochette, d'ailleurs. J'ai raté tout. Oh, vous avez raté pas grand-chose pour le moment, mais là, il y a le plus important, de toute façon. Hein. Elle est marrante dans son genre. Je la connais pas du tout, à vrai dire. Elle est de quelle race, elle? C'est une brownie. Oh, comme dans Willow! Willow, dans Willow, les brownies, c'est des petites créatures toutes petites de la taille du doigt, genre même plus petits, et ça vit dans la forêt en meute et tout, ils ont des drôles de têtes. Il faut connaître. Si vous avez pas vu Willow, faut le regarder. Hein. MDR, tu... Ah, sur Insta, oui, sur Insta, vous savez toute ma vie, effectivement. Chez moi, c'est un gâteau, mais ici, qu'est-ce que c'est? Une race de féerie. Et d'ailleurs, tu en as déjà croisé un. Hein. Qui ça? Devine. Alors, Jamon, Mairi ou Kero? Bah, qui ressemble le plus à Icare. Non, pas à Icare. Si, Icarote, c'est ça. Ah, bah, c'est Mairi. Parce que Jamon, bah, c'est plus un orque. Kero, c'est une licorne. Mairi, à la limite, c'est un bouc et un lapin. Bah, non, bouc et lapin, ça n'a rien à voir. J'irais quand même Mairi, hein. Je pense que si je me foire, par contre, il va pas être content. Je l'aime pas, Nevra. Enfin, je préfère Valkyon. Ah, mais chacun ses goûts, hein. Icare est un gâteau. D'accord. Mairi, on est d'accord, c'est trop bien Willow. Oui, regardez le film de Willow, il est trop bien. Donc Mairi, on est d'accord. Mairi, d'accord. J'ai eu une bonne intuition, c'est sans doute la couleur. Mairi. Bien joué. Et pour moi, tu dirais quoi? Ah, je sais pas vraiment. Un vampire! J'ai peur de dire n'importe quoi et le vexer ou de passer pour une idiote. C'est bizarre quand même. Icare et Mairi ne se ressemblent pas. Il y a plusieurs sous-espèces de Brownie. Oh, d'accord. Tu en es peut-être une? Mais non, pas du tout, je suis humaine. Je sais pas, j'ai pas encore eu l'occasion de te connaître plus amplement. Overflower et Daria, j'adore, mais quelle addiction! Mais grave, ça rend trop addict ce jeu! Il est trop cute! Attends, pose glouglou. Ça fait du bien. Un mec qui fait du flirt, simplement, tu vois. Il n'y a pas de cogitage sans son siècle. Il n'y a pas de oh là là, est-ce que je lui plais? Non, là c'est clair et net. Il veut nous pécho. J'aime cette simplicité. J'aime. Icarotte, c'est un gâteau aux carottes. Oui, si tu veux. T'as mis le haut que t'avais acheté. Oui. J'ai détourné le regard. Je sens les joues rougir. Ouh. Oh là là, il fait son malin là! Là, il fait son malin! Il fait son masco, hein! Ouh là 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 là! On a reperdu Tibou. Mais grave! Mais attends, mais il est trop mignon! Il est trop mignon! Oh, des bras d'amour! Oh. Ah tiens, voilà Nico et Jamon. Coucou Gricui, coucou Rupol. Oh, plus surnom. Je vais aller les voir. Oh. Ce sera pour une autre fois! Bye bye! Ça ira! Il me reste Alagea et Kero. Alors Kero il doit être dans la Bibli. Et Alagea.
Aucune idée! Escalier? Non. Qu'est-ce qu'elle foutrait dans les escaliers? En même temps, je vous le demande, hein. Bibliothèque. Ah, dada. Kéros, c'est toi! Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, j'ai juste foutu le bordel dans tes affaires. Oh, rien, je me balade en attendant qu'Ezarel ait fini de préparer le test. Oh, tu es inquiète? Pas trop, c'est impossible qu'il soit positif. Qui sait? Vraiment? Tu crois? Dans tous les cas, rassure-toi, que tu sois humaine ou féerie, tu restes la même après tout. Je suppose. Merci. Oh, ça c'est du dada, ça. Il est top, dada, quand même, hein. Ça reste le plus sympa, hein. Franchement, Oula, quand on regarde un live Eldaria, vaut mieux pas avoir les écouteurs et glousse à chaque phrase de Nevra. En même temps, il est trop mignon! Il est trop chou! On est d'accord? Mais Dada reste le meilleur niveau sympathie, tu vois. Niveau amabilité, tu vois. Pourquoi Miko, c'est RuPaul son surnom? Bah, il faut regarder RuPaul's Drag Race pour comprendre. RuPaul, en fait, c'est celui qui gère les drag queens. Et il a un côté très, bah, très, très Miko, genre à gueuler et à être carré et en même temps mignon, tu vois. Avance, entends Jamon faire demi-tour. Exactement, c'est trop ça. J'espère juste que Zarel cessera de te taquiner. Enfin, s'il continue, il verra de quel bois je me chauffe. Oh, c'est mignon ça! Oh, bah ça se fait pas! Comment on le diminue? Bon, bah la première, c'est la moins pire, hein. Tu oserais vraiment lui dire quoi que ce soit? Bah, Tu devrais y aller, le test doit être prêt. Je vais aller vérifier. Ah, esquive le sujet, va. Bon, à la GA, elle est où, ma cocotte? À la GA! Ah, bah voilà. Hey! Qu'est-ce que tu fais là? J'attends que le test soit prêt. Ah, ok. Au fait, tu es dans quelle garde? La garde de l'ombre. Et toi? Je suis dans la garde absente! Oh! Bah, bon courage avec Ezarel. Tu verras, les gardes, c'est un peu comme une deuxième famille. C'est vrai qu'elle avait l'air de bien s'entendre avec tout le monde. En même temps, elle a l'air cool, hein, franchement. Je ne compte pas rester, en fait. Oh, mais pourquoi? Il faut que je retourne auprès de ma famille. Ah, oh, je comprends. J'ai des responsabilités dans mon monde. Oh bah oui, sans doute, aller au lycée. On va loin, hein. Tu en auras bien assez ici aussi. Ouais, mais c'est pas chez moi ici. Peut-être que si. Tu nous aides pas, cocotte, hein. C'est bon à tout le monde? Alors, Azazel, nous arrivons. Ah, petit don. T'es la meilleure Thibaut Team Nevra. Oui, Miss K-Pop, vive Nevra! Faut absolument que je fasse un gif pour les sponsors. Enfin, un emoji pour les sponsors de. Oula, c'est fort quand même. Hein. Un emoji pour les sponsors de Nevra. Obligé. Alors, tu as fini? Oui, j'ai terminé. Je dois faire quoi? Je veux dire, je passe le test comment? Une goutte de sang, souffler dans un truc? Rien de très spécial, à part aller me chercher Miko. Pourquoi ça? Je préfère qu'elle soit présente pour constater que tu es bien humaine. Au moins, on est d'accord sur ce point. Je suis partie chercher Miko. Elle est sûrement dans la salle du cristal. Allons-y, allons-y. Mes manas, mes manas! En plus, je me gourde de route, là, à chaque fois, ça m'exaspère. C'est pourquoi Ezarel va me faire passer le test. Il veut que tu sois présente pour constater le résultat. Oh, bien. Miko a laissé son bâton à Jamon et m'a accompagnée au laboratoire. Gris-cuit est promu porteur de bâton. C'est pas mal, quand même. Coucou Thibaut, petit cadeau pour la meilleure. Oh, merci Chloé XKZ. Ça, c'est du nom de famille compliqué, hein. À la géant boobs. Oui, c'est vrai que c'est joli. À la géant boobs, mais c'est dur à dire. Dans mon bouquin, il y a le nom Azazel. J'ai pensé direct à toi. Mais c'est connu, je crois, Azazel, comme nom de base, hein. Je t'adore, tu es une super youtubeuse, t'es super. Et j'aime, je te kiffe. Merci Lionel, c'est gentil. Hop, allons-y. Alors, j'ai vu quelqu'un dire, oh, tu lis jamais mon commentaire. Les lives Eldaria, c'est pas forcément ceux où je vais le plus vous lire, puisque je suis aussi dans l'histoire. C'est partagé, vous voyez. Donc, c'est plus le live papotage où j'ai plus le temps de vous lire. Ou le Sims, à la limite. Lorsque je suis arrivée sur place, Valkyonou et Nevra d'Amour étaient déjà là. Oui, j'ai un petit peu renommé. Maintenant que tout le monde est là, je peux vous prouver que je suis bien humaine. Comme s'il y avait quoi que ce soit à prouver. Elle est humaine. Pour une fois, nous sommes absolument d'accord. C'est bon, on a compris! Ezarel, arrête! Bon, alors, que dois-je faire? Donne-moi ta main. Je vais appliquer ce mélange dessus. S'il y a une réaction, c'est que tu es une féerie. Mais comme tu es humaine, il ne se passera absolument rien. Je vais avoir mal? Non. Enfin, je ne pense pas. C'est pas le moment de faire de l'humour, sérieusement, elle a la trouille, là. Il a aussitôt appliqué son produit sur la paume de ma main. Je ne sentais rien du tout. Au bout de combien de temps avons-nous le résultat? C'est instantané, non? D'habitude, ouais. Vous faites souvent ce test?
Nous avons déjà accueilli quelques humains par le passé. C'était quoi la réaction? Rien de très extraordinaire. Ok. De toute façon, tu l'aurais déjà vu, c'était pas qu'une humaine. Alors je suis bien humaine? Absolument. Il s'est tourné vers Nico. Alors, ma très chère amie, tu vois, cette fille est parfaitement humaine. Elle est vénère. Comme je le disais depuis le début, il n'y a aucune trace du sang de féerie en elle. Aise. Encore une fois, j'avais... Qu'est-ce que... Ma main se mit à brûler, littéralement. Ah merde. Une flamme d'un vert très vif se propagea sur ma peau, mais se consuma lentement à mesure que le produit disparaissait. J'en déduis que donc, elle est féerie. Super, elle va être contente. La pauvre. Comme Crush prend Leftan, même si... Il est méchant? Il est pas méchant, Leftan! PTDR, tu t'attires les fous de notre belle Tibou, continue, t'arriveras à te faire pardonner, enfin peut-être. Johanna! Non, ça va, je vais pardonner. Je hurlais par réflexe. J'étais terrifiée par ce qu'il était en train de m'arriver. Mais tu m'étonnes! Tibouchou, ça va mieux? Oh, il est mignon, Valkyonou! Oui, je crois. Ça t'a fait mal? Oh, il s'inquiète pour nous! Une ivre d'amour! Non, pas du tout, J'ai crié si fort, je me sens ridicule. Je peux pas y croire. Oh, toi surtout, t'inquiète pas pour nous, hein, y a pas de problème. Hein. Alors, tu disais quoi déjà? Que tu avais raison? Qu'elle n'était pas une féerie? Dans ta gueule! Attendez, ça veut dire quoi ça? Ils m'ont tous regardé de l'air le plus sérieux du monde. Tu as bel et bien du sang de féerie en toi. Mais non, voyons. Le test est formel. Si la flamme est apparue, c'est que tu possèdes du sang de féerie en toi. Non, c'est faux. Ce n'est pas possible. Je refuse. Tu peux pas y faire grand-chose, c'est un peu comme une prise de sang, tu vois, donc... Comment pouvais-je être une des leurs? J'avais toujours vécu dans mon monde et j'étais une personne des plus banales. Il devait y avoir une erreur, forcément. Après m'avoir expliqué qu'aucune méprise n'était possible, que ce que j'avais vécu était une réaction chimique due au mana dans mon organisme, je demandais à tout le monde de me laisser souffler. J'avais besoin de réfléchir à tout ça, de réaliser tout ce qui m'arrivait. Je décidais de prendre l'air dans les jardins. Pauvre bichette! Faut positiver, tu vas pouvoir copuler avec Nevra tous les jours jusqu'à la fin de ta vie. Et ça, c'est plutôt cool. C'est où les jardins? Parce que moi, je sors, mais... C'est ça, les jardins? Oh, Tibouchou, ça va pas? Pas vraiment, non. Ah bon? Pourquoi? Tu as perdu ton familier? Non, il va bien, t'inquiète pas. J'ai juste appris une mauvaise nouvelle. Laquelle? Je suis pas humaine. Enfin, pas vraiment. Je suis aussi une féerie. T'es comme moi alors? C'est super! Tu trouves? Bah oui, ça veut dire que tu peux rester ici pour toujours. Comment lui expliquer que justement j'ai pas envie de rester ici? Dis Mary, Rodrigo n'est pas avec toi? Non, je sais pas où il est. Me dis pas que tu l'as encore perdu, mais ce gosse est insupportable. Ah mais grave, ils auraient pu prévenir pour la flamme, c'est clair, ils auraient pu prévenir la pauvre, t'imagines le choc? T'as ta main comme ça, t'as un truc qui apparaît. Mais non, il est avec ma maman, ils sont partis en balade, mais j'ai vu un papillon sur une fleur et... Tu t'es perdu à ton tour. Oui. Tu veux que je t'aide à le retrouver? Je veux bien. Ah, tu es là. Tu me cherchais? Oui, je t'ai vu sortir de la salle, ça m'a fait un peu de peine. Oh, désolée, je me sentais vraiment pas bien. Normal, c'est pas tous les jours qu'on apprend qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ah non, qu'est-ce que tu comptais faire? Pardon, c'est au passé. Mary a perdu sa mère, j'allais l'aider à la retrouver. Tu ferais mieux de retourner voir Nico, elle a beaucoup de choses à te dire. J'imagine. On va penser très cher. Comment positive avec Tibou, c'est simple, copule avec Nevra. Mais Ellie, en même temps, ça aide quand même, tu vois. Alors, s'il vous plaît, ne spoilez rien. Là, effectivement, je vois plusieurs qui disent ne spoilez pas. Partez du principe que moi, je suis à l'épisode 4, donc forcément, si vous me dites des trucs qui vont arriver plus tard, ça va me gâcher le truc, donc ne dites rien. Soyez un peu logique. Donc, vive le décalage horaire, je vais me coucher tard pour te voir en live. Oh, Cyril, merci. Mais Dada, il est trop cute. Tu t'en sens capable? Ai-je le choix? Pas vraiment. Je vais raccompagner Mary pour toi. Si Mary est d'accord, je veux bien. Kero s'est tourné vers Mary, qui l'a suivi sans hésiter. Ah, d'accord, d'accord, merci, hein, l'amitié c'est plus que c'était, hein. Ah, Miko, tu veux pas nous laisser 2 minutes, non?
Je devais donc retourner voir Miko afin qu'elle m'en dise plus sur moi. Je commençais à me poser des questions sur ce que j'étais réellement. Les raisons de mon arrivée dans ce monde, cette réussite au test de féerie qui avait pour moi un goût d'échec. La pauvre ! Alors que j'arrivais à la salle aux nombreuses portes, j'hésitais un moment avant de franchir de nouveau la porte du laboratoire d'alchimie. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, faire demi-tour, entrer directement dans la salle d'alchimie, attendre encore un peu. Je suppose qu'en fonction des choix, ça ne me mène pas au même mec. Et moi, je veux voir des bras d'amour. Alors, il faut que je fasse quoi pour voir des bras d'amour ? Il me semble que c'est demi-tour. Parce que j'ai ma modo, c'est Ninon d'amour qui m'a fait un guide raccourci. Je l'ai lu avant de lancer l'épisode. Je crois que c'est demi-tour, mais... Oh, Manon, félicitations, je te le souhaite. J'adore Mary, perso. Ouais, il est mignon. On est 2000. Waouh, trop classe. Je suis en train de me spoiler en regardant ton live. Ah, je suis épisode 4, c'est pas très loin pourtant. La A. Le sponsor du don est dégoûté, il peut pas te faire de don aujourd'hui, je redoublerai encore plus d'efforts la prochaine fois. Théophile, c'est pas une course, tu m'as déjà fait beaucoup trop de dons. Du coup, on est d'accord, c'est la A. Faire demi-tour. On t'attendait. Ah, tu m'as fait peur. Peur, rien que ça. Je te lis tout de suite, Sonia. Je ne pensais pas te trouver derrière moi. Je suis toujours là où on m'attend le moins. Je vois ça. Allez, c'est l'heure. Il a posé une main sur le bas de mes reins et m'a poussé en avant. Oh, il y a contact! J'aime trop des bras d'amour! Il est trop mignon! Mais il est trop mignon! Il est trop mignon! Il est trop cute! Coucou, désolée de te couper pendant le Daria, je go Team Rediff, tu as vu le retour de Charmed, j'espère que tu t'achèteras des chouettes trucs, bisous. Non Sonia, je ne connais pas, je savais pas que Charmed revenait, mais je suis assez... Enfin l'ancien c'est mon adolescence, donc je pense pas que je retenterai, tu vois. Tu comptes jouer au Diabolic Lover lorsqu'il sortira? Je connais pas, je sais pas ce que c'est. on est d'accord. Mais il est trop mignon Névra. Hein. Oh là 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 là, c'est mon amoureux. C'est mon amoureux, Névra hante les nuits de Thibou. Mais oui! Il est trop chou! Miko est là. Elle me dit visage d'un air austère. Oh, sois pas cul, meuf! Désolée, j'avais besoin de prendre un peu l'air. Je peux comprendre. Oh! Sans deck! Nous sommes tous surpris que tu sois une féerie, alors j'imagine que tu dois l'être aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'allez jamais me croire, mais j'ai encore trouvé un morceau de cristal. Ah d'accord, du coup elle le dit maintenant. Ok, c'était pas forcément le moment auquel je pensais, mais... Quoi? J'ai tendu le morceau pour qu'il le voie. Je l'ai ramassé dans le creux d'un arbre. Et comment as-tu su qu'il était à cet endroit? C'est un peu compliqué, je... Tu nous expliqueras cela quand tu te sentiras apte à le faire. Nous avons plus important à voir. Oh, il est beau, je l'aime bien, il est toujours cool, lui, hein. Comme j'ai reçu ma paye, j'en profite pour faire un petit don, t'es la meilleure. Merci, Lilonia, t'es trop mignonne. Miko, j'ai appris que c'est... Pardon, j'étais en train de... Je te lis en même temps. Merci, ma Sonia, merci. Miko, j'ai appris que cette jeune fille avait du sang de féerie en elle. Qui te l'a dit? Les nouvelles vont vite ici. Icar, elle ne peut pas s'empêcher de petiner, elle. Icarote! On retient, salaud cheveux rouges. Je retiens. Mais oui, il semblerait que Tibuchu ne soit pas tout à fait humaine. Je ne comprends pas. Mis à part la couleur particulière de ses yeux, elle est plutôt banale. Je me demande vraiment quel type de félienne elle peut bien être. Et puis cette facilité à trouver des morceaux de cristal... C'est bon, elle en a pas trouvé tant que ça non plus, hein. Mais ça va, toi? Il m'énerve à me diminuer tout le temps. Deux en quelques heures. C'est tout autant, voire plus, que l'ensemble de la garde en quelques semaines. Attendez un peu, comment ça se fait que vous ne savez pas quel type de féélienne je suis? Et puis c'est quoi une féélienne d'abord? Un féélien ou une féélienne est un hybride. C'est un être mi-féerie, mi-humain. Ok, je vois. Mais grâce à mon sang, vous ne pouvez pas déterminer de quelle créature je suis... issue? Non. Sans signe physique ou capacité particulière, c'est très difficile de déterminer ta race. Le fait qu'en plus tu sois pratiquement entièrement humaine et que tu n'aies vécu que chez les humains complique la tâche. Nous ne connaissons pas la race de Valkyon, par exemple. C'est vrai? Alors tu es un faélien, toi aussi? J'ai vécu ici toute ma vie. Je suis plus faérique qu'humain. C'est complètement impensable, cette situation. Donc lui, il est comme nous, en fait. Ah bah, Valkyon, ça nous fait un point commun en plus, hein. Azazel, il est perturbé par Tibuchu, en fait. Ah bah, je sais pas s'il est perturbé, mais il nous aime pas, en tout cas. Hein. Effectivement, le plutôt banal, il fait mal, quand même. Hein. Il est un petit peu mal au cul, hein. Cucu, pardon. Est-ce que tu as été adopté? Non, mes parents sont mes vrais parents, je crois. Peut-être que eux l'ont été. Je pense pas, non.
Moi-même, il paraît que je ressemble trait pour trait à une de mes arrière-grand-mères. Alors tu dois avoir un très lointain ancêtre féerie, ce qui ne va pas nous aider à déterminer qui tu es. Oh, tu penses que ça peut prendre combien de temps à trouver? Si on trouve! Nous en reparlerons plus tard, si tu veux. J'ai acquiescé. J'ai besoin d'encaisser la masse d'informations, ou plutôt de non-informations, que je viens d'entendre. Bien entendu, à la suite de tous ces événements, il est clair que nous ne pouvons pas la laisser repartir. Quoi? De toute façon, il pouvait pas... Elle avait aucun moyen de rentrer, non? Coucou, je viens d'arriver. Coucou, Sweet Life! Sans même prêter attention à mon avis, Miko et les autres firent un tour de table. Je me sentais désemparée face à cette situation. Alors que je n'avais qu'une seule envie, retourner chez moi. Eux, ils me forçaient presque à intégrer définitivement leur monde. Mais c'est surtout qu'ils n'ont pas de moyen de te renvoyer, c'est ce qu'ils disaient au début. Après un bref tour de table durant lequel Ezarel tenta encore une fois d'exposer mon inutilité, ils décidèrent que je devais rester dans la gare de Dil. Je me fis à l'idée de vivre parmi eux. J'allais faire semblant de m'intégrer et de prendre tout ça bien. Oui, ok. Mais je gardais l'objectif de rentrer chez moi, coûte que coûte. Quels que soient les moyens, je parviendrai à retourner dans mon monde. D'accord, ok. Oh non, mais ça se tient, hein, je peux comprendre le raisonnement. Hein. Je suis enfin arrivée sur ton live, bienvenue! Sur un de ses ancêtres, c'est quelqu'un d'important. Ouais, ça se tient, Luna, j'avoue. Puisque maintenant elle reste ici, il serait de bon ton de lui donner une chambre. Parce que vous aviez prévu de pas m'en donner. Il nous reste des cellules, si tu veux. Non, merci. Elle a appelé Jamon et lui a demandé de m'accompagner à ma nouvelle résidence. Ça pue, je sais pas pourquoi. Elle voulait me renvoyer dans une cellule, donc c'est où? Ça y est, tu es remise. Ouais, on peut dire ça. Ah, c'est gentil qu'il s'inquiète. Si tu veux mon avis, on aurait pu se passer de ton caprice. Il va descendre d'un étage quand même. Hein. Parce que, Azazel, je veux bien, Azazel, que tu aies un côté moqueur, un problème avec moi, mais c'est pas une raison pour m'agresser. Hein. Donc tu vas descendre d'un étage tout de suite. Non mais je rêve. Un peu d'eau. Vous avez vu comme ils se sont arrêtés à l'épisode 24? Ah bon, ça c'est trop loin. Ah oui, la chambre. Peut-être qu'elle a un lien avec la femme du cristal. Ouais, c'est possible. De toute façon, la femme du cristal, elle est sortie, c'est pas pour rien. Donc moi, je dirais la A. Franchement, autant lui rentrer dedans. Hein. Ah, la chambre, bon courage. Merci, Wattel, j'ai peur. Caprice. Tu penses vraiment que j'ai fait un caprice? Si c'en est pas un, ça y ressemble forcément. Je craque. C'est quoi le problème avec moi? Quel problème? Toi, tu es vraiment désagréable avec moi, j'en ai marre. Elle a du caractère! Oui! Oh! Ah, oh, ça fait plaisir. Ah, ah, et qu'est-ce qu'on dit là, hein, espèce de petit cul, va? Quand tu pensais que je n'étais qu'une humaine, ok, j'encaissais. Mais maintenant que je suis ici pour un moment, tu vas devoir me supporter, que tu le veuilles ou non. Je sais pas, moi, fais un effort. C'est bon, je ferai des efforts. Il est parti un tantinet énervé, mais au moins je suis soulagée. Très bien, et ben casse-toi, hein, va respirer un peu dehors, va faire un peu de yoga elfique, et puis tu reviendras quand tu seras calmée. Non mais oh. Alors, c'est par où ma chambre? Tout droit, porte rose, sans déco. D'accord. T'es là? T'es ça. À mon arrivée dans la chambre, j'étais complètement sous le choc. Ah oui! Ah bah ils ont un bon sens de l'esthétique, hein! Non mais je rêve, dites-moi que c'est une blague! Pas blague, chambre standard pour les nouveaux! Non mais je peux pas dormir là-dedans, y'a même pas de matelas! Si toi travailler dur, toi fatigué, et toi dormir sans matelas! Je reviens pas, c'est quoi cette chambre? J'aurais mieux fait de rester dans la prison vu le taudis! Terminer l'épisode. Oh la vache! Ah oh, bah ils ont le sens de l'hospitalité, hein, la vache! La pauvre! Un petit coucou de la part de votre tornade québécoise préférée. Oh merci ma Sarah, plein de bisous à toi! Oh là là, non mais quel cul! Merci pour ton don, petit Castiel. Bon bah du coup, alors qu'est-ce qu'on fait? Il nous reste... Oh bah ouais, il nous reste 25 minutes, on attaque l'épisode 5? Qu'est-ce que vous en dites? Par contre j'ai pas de guide, hein. Là pour le coup, je crois pas que ma Ninon me l'ait fait, donc... J'adore la voix que tu lui fais. Mais oui! Épisode 5, première mission. La garde d'île t'a chargé de ta première mission et elle compte sur toi pour la réussir jusqu'au bout. Super, pas du tout la pression. C'est la chambre dont tout le monde rêve, mais grave. Du coup, est-ce qu'on continue? On va faire une petite vague de pouces bleus pour l'épisode 5, pour qu'on le sente bien. Je compte jusqu'à 3. À 3, vous mettez un pouce bleu. 1, 2,
3 vagues de pouces bleus. Pendant ce temps, tiens, pendant que vous me décidez si on continue ou pas, je vais regarder à quel lovomètre on est. 15, 10, 10. J'ai plus avec lui. Sans déconner. Comment ça se fait que j'ai plus avec Azazel? Oh bah non, je suis pas cadrée. Que j'ai plus avec Azazel qu'avec Nevra d'amour. Ça va pas du tout ça, hein. Ah non, mais ça va pas du tout, hein. Ah non, 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 Azazel, je t'aime bien, mais de loin, quoi. Non, mais cul, quoi. Et les autres, j'ai 10 avec Icarounette, 5 avec Alagia, et les autres, rien du tout. Les autres n'existent pas. Ah, Penisman. Mais sinon, bon, ok. Donc, il y a une grosse majorité de oui. Oui, je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais. J'avoue que, bon, il y avait peu de chances que vous me disiez non, non, arrête-toi maintenant. Franchement, ça nous saoule. Oui. Mes amis ne te connaissent pas et moi j'arrête pas de parler de toi, je dis que t'es génial. C'est mignon, merci beaucoup. Tu peux choisir qui refait ta chambre parmi les 3 chefs de garde, par contre il n'ira pas en mission avec toi. Ok, c'est intéressant, ok, merci. Mais je crois qu'on m'a dit que de toute façon Azazel, il ferait une chambre qui me plairait. Je crois que c'est ce que m'a dit Ninon. Alors 5, c'est ça, on est d'accord, hein, 4. Alors j'ai eu les 2 illustrations et en espérant avoir les 3 ici. Je me cadre. Azazel aime que tu lui parles mal. Ah bah c'est pour ça, c'est un mazo. Pour avoir les lunes Nevra, ne le choisis pas pour faire ta chambre. Ok, ça marche. Ok, donc je prendrai Azazel. Ça m'arrange, comme ça, ça baissera peut-être un petit peu le... Enfin, ça baissera pas, mais ça montrera les autres, tu vois. Je venais d'apprendre qu'au lieu d'être une humaine, j'étais une créature issue de la féerie. Cette nouvelle m'avait fortement sonné, et le coup fatal fut porté lorsque j'entrevis ma chambre. Non mais c'est pas sérieux, je peux pas dormir là-dedans. Jamon, s'il vous plaît, faites quelque chose. Miko, avoir dit donner chambre. Toi, avoir chambre. Jamon, rien faire de plus. Mais enfin, mais... Mais non, quoi! À ce niveau, autant rester dans la cellule! Je suis totalement dépitée. Et cet ogre qui reste impassible! Ce mépris, quoi, cet ogre-là! C'est toi vouloir autre chambre, toi demander à Miko! Elle ne voudra jamais m'écouter! Tibouchou, pas courageuse! Quand il s'agit d'affronter Miko, pas vraiment. D'accord, j'y vais. Merci quand même! Elle va nous envoyer chier sa race. C'est même pas la peine. Hein. Super, elle est pas là. Ok. En même temps, peut-être qu'elle bosse des fois. Hein. Hey, qu'est-ce que tu faisais dans la salle du cristal? Cherchais Miko, tu l'aurais vu? Icarote, Icar. On est passé de 344 à 1200. Wouh! Timou va être en mode mon matelas. Ah mais grave, attends, je lâcherai pas l'affaire. Attends, la pauvre. Déjà, il la force à rester. C'est trash quand même, genre. Les gars, ils lui disent, ouais, tu restes avec nous, t'as pas le choix. Ils lui donnent même pas une chambre correcte. Genre un minimum, quoi. Oui, elle vient de partir à l'instant. Mince. Pour quelle raison désires-tu la voir? J'ai une requête à lui soumettre? Une requête? Quel type de requête? Tu sais qu'ils m'ont donné une chambre. Ah oui? Elle est comment? Pourri. Honnêtement, j'ai bien envie de mettre pourri. Ça collerait bien. Attends, je vais voir si je retrouve le guide de Ninon. Comme elle m'a mis... comme elle m'a mis le truc. Hop. Ça peut aider. Au fait, Sibou, depuis que je te regarde, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser les mêmes expressions que toi, genre schmoutz ou coup fripé. Théophile, vous êtes plusieurs à me dire ça. Hein. Clairement, non, elle m'a pas dit pour les premiers. J'ai juste pour Nevra. Ok. Bon, bah, je vais faire à l'instant. Moi, franchement, Icarounette, je trouve qu'elle fait marron, tu vois, comme meuf. Donc, je pense que pourri, ça lui va bien. Enfin, ça va la faire marrer. Icar, elle est marrante, tu vois. Pourri. Elle ne peut pas être si horrible que ça, voyons. Les murs sont fissurés, le sol est sale, et j'ai même pas de matelas. Tu exagères. Non, vraiment? Va voir si tu me crois pas. Mais j'y compte bien. Je l'ai emmenée jusqu'à ma chambre pour qu'elle voie l'étendue des dégâts. En effet, c'est... pourri. Pour le coup, j'avoue que je n'ai pas de meilleur terme. Je comprends mieux ta nécessité de voir Miko. Malheureusement, même si je parviens à t'organiser une audience, il faut prendre rendez-vous pour parler à Miko maintenant. Je doute fortement qu'elle daigne t'écouter. Je vais quand même essayer. Courage. Merci. Elle est gentille. Coucou Matibou, comment tu vas? Bien Dina et toi? Merci pour ton nom ma bichette. Il reste l'optique de squatter la chambre de Nevra, mais c'est pas possible. Ah, oh, comme Berryger, j'aimerais trop. Faut que j'aille où maintenant? Oh, ça va falloir que je me balade? Ah non, faut que je trouve Miko. Mais elle est où, Miko? Miko! Miko Nounette! Ah, Miko est là. Tu sais, Leftan, je suis perplexe vis-à-vis de toute cette histoire. Moi aussi. Qui aurait cru que c'était possible? Oh tiens, nous avons de la visite. Que veux-tu, Tibouchou?
Eh bien... Plus vite, plus vite! Nous étions en train de parler! Je peux pas dormir là-dedans, il n'y a pas de matelas. Tu voulais une chambre et tu en as une, non? Jamon dort très bien, il n'a pas de matelas, lui. Je te rappelle que j'ai accepté ta présence, mais que je n'ai pas à m'occuper de toi. Elle a fait un signe de la main pour me dire de partir. Alors, attends. Alors là, je ne suis pas d'accord, hein? Parce que nous, on demande que ça de se barrer. C'est toi qui veux pas qu'on se barre. Et en plus, on t'a retrouvé deux morceaux de cristaux, alors que ta garde de merdouille, là, ils t'en ont retrouvé deux en 6 mois. Alors, s'il te plaît, tu vas me donner un matelas. Maintenant! Non, mais c'est quoi ces manières? Non, mais alors, la rue Paul, je suis déçue, hein? Bon, bah voilà, d'accord, c'est un fail. Bon. C'est quoi ce monde? Je suis seule, j'ai même pas un matelas pour dormir. J'en ai vraiment marre. Marre de... Oh! Leftan, c'est toi. Tu as fini de discuter avec Miko? Oui, on peut dire ça. Alors, de quoi en as-tu marre? De tout ça, j'ai personne ici. Et en plus, on me donne une chambre qui est pire qu'une prison. Te décourage pas. Si j'étais toi, j'affronterais pas Miko toute seule. En disant ça, il a posé une main sur mon épaule. Contact, contact! Mais c'est pas Nevra, donc ça m'intéresse pas. Elle est cruelle, mais grave! On passe de Miko la cul à Miko Nounette. Oui, bah ça dépend des moments, tu vois. Ah bon? Oui, si tu n'es pas seule, elle aura plus de scrupules à refuser ta requête. Je vois. Bon, je file, j'ai des choses à faire, moi aussi. Au revoir et merci. Bon, il est mignon, mais ça nous sort pas de... Convainc plusieurs membres de la garde de te soutenir face à Miko. Oh! Ça va être galère! Vous savez où je dois aller ou pas? Coucou, je viens d'arriver, mais je vais plutôt attendre la rediff. Ah oui, Lumiclat, là, ça vaut mieux, je pense, hein. Où est-ce qu'on va? Leftan. Les groupies! Fais gaffe, RuPaul, Thibaut est une sorcière, elle va te maudire si tu continues. Mais grave, Théophile, comme dans Along the Edge. Hey, salut toi! Rebonjour! Alors, t'as pu voir ta chambre? Y'a quoi dedans? Tu as des livres? Et à manger? Et... Elle n'arrête pas de parler. Bah, j'ai rien. Comment ça, rien? Je n'ai ni livre, ni vivre, ni matelas. Quoi, t'as pas de matelas? T'as l'air presque plus choqué que moi. Non, mais c'est pas très sympa de te laisser comme ça, hein. Bah, je trouve aussi. Tu vas en parler à Miko? Parce que c'est pas possible de laisser dans une telle situation, hein. Je l'ai déjà fait, mais elle a rien voulu savoir. Du coup, sur les conseils de Leftan, j'essaie de convaincre un maximum de personnes de m'aider à la faire changer d'avis. C'est une excellente idée, j'en suis. Ok, j'ai même pas eu besoin de la convaincre, elle est vraiment gentille. Je l'aime bien, elle, hein. Tu veux que je te guide en MP? Je peux. Oh, merci, ma Wattel. Bah, tu peux. Je sais pas si ça va être chaud de suivre Discord en même temps que le live, mais on peut tester. Biblio pour Dada. Quand est-ce que la rediff est publiée? Tout de suite après le live, à 19h, du coup. Bon, elle est OP. Ça en fait une, déjà, hein. Des personnes dans la forge. Alors, ta chambre te plaît? J'espère qu'ils t'ont donné un lit confortable. Je suis plutôt douillet. Mais tu viens quand tu veux! Mais tu viens quand tu veux! On peut même le faire sur une peau d'ours! Y a pas de problème! Ma petite Manon, merci ma bichette! Merci beaucoup! Je rêve ou il s'imagine dormir dans mon lit? Mais il a totalement raison. Mais imagine mon grand, mais imagine, y a pas de problème! C'est quand tu veux! À la GA, c'est une biatch. Bon non, elle est trop mignonne. C'est pas parce qu'on voit ses boobs que c'est une biatch. Oh là là, bande d'idées reçues. Attends, je regarde sur Discord du coup si ma Wattel m'a écrit. Oui, j'ai Wattel à côté. D'accord, il m'a tout dit. Ah mais je pense qu'ils sont pas aux mêmes endroits. Parce que Nevra, tu me dis qu'il est au refuge d'Il. Alors que là, il était dans le labo. Donc, c'est... Il faudra aussi que tu t'achètes des draps en soie. Je n'aime pas du tout le coton, c'est trop irritant. Il a des goûts de luxe, c'est vrai, non mais c'est un bourgeois, hein. Mais il est trop mignon quand même. Oh Nevra, tu es si spirituelle. J'aurais déjà besoin d'un matelas pour y mettre des draps. Comment ça? Bah j'ai juste un lit, enfin la base. Un sommier? Non, la base, tu sais, le cadre en bois. Tu veux vraiment me faire croire que Miko t'a donné une chambre avec un lit sans matelas? J'aime bien la 1. Est-ce que Wattel m'a guidée? Ah, pauvre, elle décalage. Ce jeu a créé Nevra juste pour Thibaut. Mais grave! Je suis trop amoureuse de lui! Je suis trop amoureuse de lui! Ah mais non, mais je suis bête, Nevra, j'ai été guidée pour le coup par Ninon. Vous me guiderez pour les autres, mais Nevra, Ninon m'avait dit. Donc c'était ma bonne intuition.
Bah oui, pourquoi mentirais-je? Pour réclamer de dormir avec moi, peut-être. Ah, tu m'as percé à jour! C'est vrai, je le confesse. Je suis prêt à vendre mon âme pour passer une nuit avec toi, mais j'ai pas menti pour autant. J'ai détourné mon regard du sien. T'es vraiment impossible. Tu sais, ça c'est le truc que tu dis, genre... arrête. Tu sais, avec le sourire qui te dit l'inverse de ce que tu dis, qui montre l'inverse de ce que tu dis, tu vois. Ah, je suis trop amoureuse. Il est trop mignon, quoi. J'ai les joues en feu. Oh, tu m'étonnes! Mais tu m'étonnes! Attends, mais comme ça qui te dit qui te rentre dedans comme ça, mais laisse tomber, quoi. Alors, c'est une humaine ou pas? Non! Il a découvert ton plan, mais grave, ma taille m'a percé à jour direct, tu vois. Mes oreilles saignent. Désolée! Du coup, j'imagine que tu allais te plaindre à Miko? Oui, elle m'a d'ailleurs envoyé bouler. Je voulais te demander si ça te dérangerait de venir la raisonner avec moi. Pourquoi pas? J'ai des intérêts à ce que tu aies un lit digne de ce nom. Il est quoi? Non, mais quand même, tu vois. Genre. Ça, c'est un mec qui te fait sourire. Ok, il est lourdingue, tu vois. Mais déjà, il t'aide à chaque fois. Ça fait 3 fois que je lui demande de l'aide. Ça fait 3 fois qu'il vient m'aider. Et en plus, il est gentil et il est beau. Et il te fait sourire. C'est un mec qui t'amuse. Ok, il en fait 3 caisses. Mais c'est fun, tu vois. Au moins, il te traumatise pas. Il te fait pas, il te fait pas le coup de l'homme élastique distant, là. Non, lui, il veut te pécho. Il le dit. Ça, c'est bien. Ça, j'aime. Adeline, je crois qu'on va faire un message spécial live Eldaria pour avertir les gens de la violence du son. Et pourtant, je l'ai mis pas trop fort. Mais quand je crie, j'avoue, c'est pas ma faute. Oh, des bras d'amour, je l'aime trop. Ok, bon au moins il est convaincu, même s'il est flippant. Cool, il est pas flippant du tout, il est juste sexy, d'accord? Hein, bon. Ah tiens, Icare, te revoilà, Icarote. Alors, tu as pu avoir une autre chambre? Non, Miko n'a même pas daigné m'écouter. Oh, je m'en doutais un peu pour tout avouer. J'ai beau adorer Miko, quand elle a une chose en tête, impossible de l'en faire démordre. Tu devrais demander à plusieurs membres de la garde étincelante de t'aider à la convaincre que tu es dans ton droit. Oui, c'est ce que je fais. Lefton m'a conseillé la même chose. Petit don bonne humeur post-weekend. Hakuna Matata. Merci Titi Laetitia, mais c'est pré-weekend parce qu'on est jeudi. C'est pas encore post, c'est après. Je fais ma petite meuf en français, tu vois. Et Dina, bien seulement mon écran de téléphone ne fait que bugger. Oh, ma pauvre Dina, plein de bisous. Plein de poutous pour toi. Donc voilà. Il l'a bien cerné, Miko, Lef. Lef, comme la bière. Il a l'air observateur. Il l'est, mais il est également très serviable et il a beaucoup de culture. J'aime beaucoup discuter avec lui. T'as l'air de bien l'aimer. Oui, et puis il est plutôt beau comme garçon. Pardon? Quoi, tu le trouves pas mignon? Si, il est pas mal. Ça change quelque chose si on répond là ou pas? Tu aimes le rendre dedans? On verra pour AS. Non, non, mais j'aime le rendre dedans quand c'est fait intelligemment. Donc, il y a 3578 likes. Oh la vache! Maintenant, pour les dons de 10€, il faudrait que Nevra danse au lieu de Castiel. Mais grave, Luna, mais tellement. Tes cheveux rendent noir à la cam ou c'est la couleur? Non, c'est prune. Enfin, c'est du roux, violet. Enfin, tu vois, c'est pas noir. Bizarrement, moi, ça me saoulait quand j'ai joué cet épisode, mais avec toi, c'est drôle. Il me paraît plus mignon d'un coup, même si je préfère Ezarel. Mais moi, je le trouve trop mignon, Nevra, franchement. Il fait son mec, tu vois, mais il est trop cute. Ça change rien. Ok, d'accord. Ah oui, bah en plus, les réponses sont vachement. C'est vrai qu'il est plutôt mignon, ouais. C'est vrai que tu ne l'as pas beaucoup vu. On divague un peu, là, non? Un chouïa, oui. Désolée, je suis assez bavarde parfois. Non, c'est pas grave, c'est mignon. Toujours en retard sur le live, mais team rediff. Parce qu'on vous kiffe, Niam, merci beaucoup. Revenons-en à nos prilasmes. Tu veux que je vienne t'épauler pour ta demande? Ça ne te dérangerait pas? Si je te le propose, c'est que ça ne me dérange pas. Eh bien, oui, alors, je le veux. Genre une demande en mariage, tu sais. Cool, bah on en a déjà 3, c'est pas mal. Il nous en manque combien? C'est Wattel qui me répond décalé du coup. Castiel et Nevra sont méga différents et pourtant tu as craqué sur les deux, même si Castiel est le pire maintenant. Castiel du lycée était très bien. Castiel de maintenant, j'attends de voir la fin de l'épisode 11. J'ai tourné le début de l'épisode 11 tout à l'heure, il sortira dimanche, mais je l'ai pas tourné en entier, donc je ne sais pas encore ce que ça dévoile. En tout cas, ce que j'ai vu de lui pour le moment ne me convient pas, mais bon. Ensuite, eh bien, on dirait que Mademoiselle est énervée. Un peu, oui. Comment ça se fait? Miko m'a donné une chambre. C'est vraiment pas sympa de sa part, ça. Quelle vilaine fille. Quelle tête de cul. Je dirais bien Ezarel, point de suspension. Genre, Ezarel. C'est ce que je ferais avec mes potes, en fait. Clairement, le je ne suis pas ingrate, ça veut dire qu'elle le prend au sérieux, alors qu'il plaisante.
Et ça, c'est un peu accusateur. Moi, je dirais Ezarel, point de suspension. Je sais pas si Wattel va avoir le temps de me guider en MP, mais c'est ce que je dirais. MDR, il y a trop de décalage. Ouais, je me doute. À la fin, tu vas être déçu, Thibaut. On ne spoil pas Amour Sucré et on ne spoil pas la suite d'Eldaria. Vous ne spoilez rien, en fait, d'accord? C'est simple comme ça, c'est pas... Le castel du lycée le manque aussi. Ah, normal, hein. Et Zazel est méchant. Oui! La déception approche. Décidément, toutes les Thibauts, on le fait au cucu, c'est pas possible, elles sont folles. Mais oui, Théophile, c'est normal. Thibaut va tuer Cassel à la fin de l'épisode 11. On parle pas d'Amour Sucré maintenant, on verra ça dimanche. Bon, moi, du coup, bah, vu qu'il y a le décalage, bah, vous dites là, c'est. Bah, très bien. C'était mon intuition. J'ai une bonne intuition, hein. Ezarel. Quoi? Rien, laisse tomber. De plus en plus susceptible. C'est quoi le problème avec ta chambre? Elle est toute sale et délabrée, j'ai même pas de matelas. C'est cool, on a un bon feeling avec lui quand même. Enfin, autant il est moqueur et relou, il a clairement, il nous aime pas. Enfin, il aime pas, il y a un truc qu'il aime pas chez nous, tu vois. Mais tu sens qu'il nous aime, enfin, il nous aimait pas. Il doit avoir des a priori, tu vois. Mais il commence à avoir un petit feeling, je pense. Je vois pas trop en quoi ça me concerne. Tu serais content, toi, de devoir dormir à même un lit en bois? Ça ne me dérangerait pas plus que cela. J'ai une tonne de potions antidouleurs. Cependant, il y a une chose qui me dérange. Ah oui, laquelle? L'idée que tu viennes m'enquiquiner tous les matins parce que mademoiselle a mal dormi dans la nuit et qu'elle a mal à son petit dos. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je ne manquerai pas de venir chercher des remèdes. Bon, soit, préviens-moi quand tu iras parler à Nico. D'accord. C'est un homme élastique, clairement. Faut juste savoir le prendre, en fait. Je suis Ezalélophobe. Non, il est mignon, Azazel. Il est mignon. Faut juste savoir le prendre, je pense. Mais il doit être attachant, tu vois. Bon, il me manque qui? Ah bah, Valkyonou. Valkyonou. Où es-tu? Valkyonou. Je sais pas s'il faut sortir. J'ai pas envie de sortir bien loin, tu vois. Parce que... Ah, Dada. Ah, Thibouchou, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas dans ta chambre? Bah non, ça arrive qu'on sorte, dis donc. Non, pas vraiment. Et je pense que je n'y retournerai jamais. Ah bon? Comment? Pour quelle raison? Bah, elle est toute sale et j'ai pas de matelas. Oh non, elle a quand même pas osé. Faut croire que si. J'ai beau adorer Miko, je croirais entendre Ricard. Parfois, elle abuse vraiment. Elle peut quand même pas te laisser dans une chambre délabrée. J'ai essayé de lui parler à ce sujet, mais elle n'a pas souhaité m'écouter. C'est une belle tête de mule parfois, mais il faut pacifier, tu sais. Elle peut vraiment être chouette quand elle le veut bien. Que vas-tu faire, alors? Puisque tu en parles, je te cherchais à ce sujet, justement. Oh! Lefton m'a suggéré de demander à plusieurs membres d'appuyer ma demande. Tu veux bien m'aider? T'aider à parler à Nico? Oui. Oh, bah, je sais pas, tu sais, je... S'il te plaît. Bon, d'accord. Oh, il est trop gentil! Il est clairement trop gentil! Dada, c'est genre le mec le plus mignon de la planète! Bon, on n'oublie pas que c'est un gros cochonou avec sa corne qui déporte les trucs là, mais quand même, il est quand même grave mignon, hein. Il te reste combien de mana? Je suis à 12 893, là, pour être exact. Bon, on est bon. Il nous manque Valkyonou, je crois, hein. Valkyonou! Non, ça, c'est la chambre. Bah non, il va pas être dans la chambre, bah non. Il est où, Valkyonou? Wattel, elle m'avait dit, mais... Valkyon, marché ou cave? On a une cave? Je savais même pas qu'on avait une cave. Ok, donc ça peut être marché aussi, d'accord. Et elle m'a donné la réplique pour Valkyon. Super! Bon, bah allons-y, on va retourner à la cave. C'est cave, ça? Non, c'est la forge. Il n'y a pas de cave là-dedans. Où tu vois une cave? Garde-manger. Escalier. En bas, genre? Mais en bas, c'est la prise. Ah, si, là! Ah non, il est pas là. Bon, on va aller au marché. On va voir. Dada Cochonou. Oui! On n'oublie pas, hein. Eh, hey, mais sans déconner, il est où, Coco, là? Je n'ai aucune raison de sortir du QG. Je devrais rester à l'intérieur. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, voilà, je désespérais. Oh, Valkyon, tu es là. Donc, c'est je ne pense pas que mon histoire l'intéresse. Du coup, attends, qu'est-ce que j'aurais choisi, moi? Moi, je pense que j'aurais bugué là-dessus, tu vois. Genre, par où je commence? Donc, c'est ça pour qu'il soit d'accord. Je ne pense pas que mon histoire l'intéresse. Tu vas me regarder longtemps, ainsi? Oh, je suis désolée. Ce n'est rien, mais si tu as une chose à dire, dis-le. Je suis pas sûre que ça t'intéresse. Eh bien, sois brève. Oh, j'ai pas l'impression que c'est le truc qui lui plaît, hein. Miko m'a donné une chambre, mais il n'y a pas de matelas. Du coup, je suis allée la voir et elle a rien voulu entendre. Leftan m'a soufflé l'idée de demander à tout le monde de m'aider et donc me voilà. Alors, tu veux bien? J'avais dit brève. Désolée. Tu
Tu sais, ce n'est pas en comptant éternellement sur les autres que tu réussiras à quoi que ce soit. Tu veux quand même bien m'aider? Oui, un matelas est nécessaire à une bonne nuit de sommeil. Et le sommeil, quant à lui, est primordial dans la réussite d'une mission. Il serait idiot que tu loupes ta première tâche quand tu l'auras. Merci. Tout le monde était maintenant là, prêt à m'aider à raisonner Miko. Dire que je fais tout ça pour un simple matelas? Ah, j'avoue. Faut être déter, hein. Allez, Miko, tu n'as plus le choix. Non, c'est pas le bon côté. Ah, mon mana! Mon mana! Allez, le repas attend, je reste jusqu'au bout. On a bientôt fini, comme Berry. Encore 5 minutes! Je pense qu'on convainc Miko, puis on s'arrête. Hein. Arrivée dans la salle, je me suis avancée vers Miko d'un pas décidé. Miko, il faut vraiment qu'on parle. Qu'est-ce que vous faites tous là? Oh, je vous vois venir. Elle nous a tous regardés et a frappé sa main sur son front. Vous êtes là pour me parler de sa chambre, c'est ça? Le courage, vraiment! Ok, vous trois, je conçois. Elle vous a demandé, vous avez été attendrie. Mais... Vous? Elle s'est tournée vers Valkyon et Zazel et... Zarel, pardon, et Nevra. C'est quoi votre raison pour la suivre dans cette combine idiote? Parce que oui, je vois clair dans votre petit jeu. J'ai pas envie qu'elle m'embête à quémander sans cesse des potions anti-douleur ou qu'elle râle toute la journée pour mes oreilles délicates. Nous avons besoin d'une recrue en pleine forme. Elle veut me voler mon lit. Ah oui, et toi avec. Je ferai comme si je n'avais rien entendu, Nevra. Sérieusement, cette chambre dépasse le stade de la salubrité. Eh bien, je m'excuse, mais c'était la seule chambre disponible. Du coup, je propose que tu choisisses un des chefs de garde pour refaire la décoration. Comment ça? Tibouchou, puisqu'ils insistent tellement pour que tu sois confortablement installé, je te laisse le soin de choisir lequel des trois retapera ta chambre. Je te le répète encore, tu es sous leur responsabilité. Que je choisisse? Oui, Nevra, Valkyon ou Ezarel. Impose cette tâche à celui que tu souhaites. Nice. Quoi? Eh mais non, je... Je ne te demande pas ton avis. J'ai entendu les garçons grommeler derrière moi. Ils ne paraissent pas d'accord avec cette décision. Bon, je vais devoir choisir celui qui va devoir retaper ma chambre. Je me demande comment ils vont la redécorer. Alors, on part sur qui? On est d'accord. Vous m'avez dit que si je partais sur Nevra, je l'aurais pas en mission avec moi, donc c'est un peu illogique. Merci Niam et Théophile, merci pour vos dons. J'adore si vous avez volé mon livre et mon lit et toi avec. Mais oui! Mais du coup, ouais, je partirais bien sur Ezarel qui fait la chambre. En plus, apparemment, vous m'avez dit que le résultat me plairait. Donc ça me convient bien. Et après, comme ça, je pourrais aller en mission avec Nevra. Choisis Ezarel, il a de bon goût. Oui, très bien. Oui, mais non, mais je suis d'accord que j'aimerais bien que Nevra fasse ma chambre pour avoir la chambre vampire, mais... Azazel, ça va te plaire. Ok, très bien, on part sur Azazel. Eh bien, je souhaite que ce soit Ezarel qui s'occupe de ma chambre. En plus, ça lui fait les pieds un petit peu. Hein, soude de ma gueule tout le temps. Comme si j'avais pas autre chose à faire. Désolé. Oh, ça va, râle pas. Fallait bien que je choisisse, j'ai fait un plouf-plouf, hein. Soit, il est l'heure de te mettre au travail, mon ami. Il a légèrement soufflé avant de partir de la pièce, suivi par les autres membres de la garde. Je suis restée seule avec Miko. Qu'est-ce que tu fais encore là? J'allais partir? J'ai filé à vitesse grand V. Tu m'étonnes. Balade-toi dans le QG ou à l'extérieur sans te passer le temps. Ok, d'accord. Oh, tu tombes bien. Je voulais te remercier de m'avoir soutenue face à Miko. Ce n'est rien. Comme je te l'ai dit, un bon sommeil est nécessaire pour bien effectuer ses missions le jour suivant. Et pour bien dormir, il faut un mat. Non, stop! Ne me parle plus de matelas! Oh! Oui, j'ai l'impression d'avoir eu que ce mot dans la bouche dernièrement. Elle est tellement belle, la chambre faite par Iz. Ah, bah tant mieux! C'était le sujet de ta demande en même temps. Je sais, enfin, ça m'a quand même bien fatiguée toute cette histoire. J'imagine. Sinon, ça te dérange qu'on change de sujet? Je n'y vois aucun inconvénient. Oh, c'est bien, on apprend à connaître Valkyonou, ça me fait plaisir ça. Ça fait longtemps que tu es dans la garde d'île? Oui. Ok. Et ça fait longtemps que tu es à Eldaria? Je suis née ici. Ah oui, c'est vrai, tu me l'as déjà dit. Conversation gênante! Tu as de la famille ici? Ouais, c'est peut-être un peu perso, la meuf. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression que c'est vachement personnel comme question, pour le coup. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Avoue que tu rêveras de Nevra la nuit. Non, mais ça reste un personnage fictif, faut pas déconner. Hein. Je dirais que la 3 est quand même plus adaptée.
Tu réponds pas à ma question, c'est accusateur, genre en mode elle est pas obligée, tu vois. Tu veux qu'on change de sujet encore, ça fait un peu genre tu fais chier. Et la troisième, elle est peut-être un peu plus fine, tu vois. Oui, Manon, bien sûr, j'ai une boîte postale, donc envoyez-moi le courrier que vous voulez, hein. B, C... Thibaut a tellement dit le mot matelas qu'elle va en rêver cette nuit. La C, la C, la B, la A, la C, la C, la C... Ouais, la C, on est d'accord, hein. La B, je suis pas d'accord. Non, la C, je la sens bien. Tu n'aimes peut-être pas en parler ? Pas vraiment, non. Désolée. Ok, c'était relativement froid. Très bien. Eh bien, écoutez, mes amours, nous, on va s'arrêter là. Voilà, tout simplement parce qu'il est 19h pile et que ça fait 1h. Mine de rien, on a fini tout l'épisode 4, on a commencé le 5, donc c'était 1h très bien remplie. Et puis la prochaine fois, on termine le 5. Oh, peut-être, j'en sais rien, on termine, ça dépend combien de temps il dure, hein. Mais on continue le 5, ça c'est sûr. Je suis super contente. Franchement, ce jeu, pour le moment, il me fait une petite parenthèse de bonne humeur et de douceur et tout. Puis je sais pas, le feeling avec les persos, il passe bien. Donc c'est cool, même Azazel, tu vois, qui est casse-couille et qui râle et qui fait des blagues nulles, il a un côté touchant, je trouve, donc c'est cool, j'aime bien ce qu'il y a. Donc attends, on va juste voir le LOM avec les mecs. Putain, c'est toujours... Ah non, c'est Devra d'amour qui est en dernier. C'est dépitant. Je suis à 20 avec Azazel et Valkyonou, et à 15 avec Devra d'amour. Bon, Leftan, 0, 0, 0, bon, en même temps, je sais pas si on peut en avoir, hein. 20, 5, 0, 0, 0, et 0 avec Penisman. Ouais, bah écoute... J'ai 20 avec Azazel et Valkyon et 15 avec Nevra d'amour. Oh, bah dis donc. Oui, le rendez-vous. On fixe le rendez-vous pour le prochain live. Vous avez raison, c'est important. Alors, nous sommes jeudi 4 avril. Eh bah écoutez, le jeudi prochain, je suis dispo. On se fait ça? On se fait une bouffe? Alors, jeudi, parce que je reviens de Strasbourg lundi. Ouais, c'est ça. Bah jeudi 11 avril, live Eldaria à 18h. Ça laisse une semaine à la team Rediff pour regarder le live. Hop, je le marque. Bon, j'ai écrit comme un cochon, mais... Vous voyez la preuve? Je suis pas cadrée. Voilà, là, vous voyez. Hop. Voilà. Du coup, mes amours, on va se laisser là. Zoup. Demain, moi, je pars à Strasbourg à 13h. Du coup, bah, tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez pas mal de stories, je pense, pendant mon week-end pour que je vous raconte le salon. De toute façon, ça fait quelques jours que je fais vraiment beaucoup de stories où je vous raconte ma vie, j'aime bien. Je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes plus avec moi, c'est mignon. Et évidemment, sinon, je regarderai quand même les commentaires sous la vidéo quand je serai à l'hôtel ou quand j'ai un peu de temps pour déjeuner ou choses comme ça. Donc ne vous inquiétez pas, je verrai vos commentaires sous la vidéo de vendredi, samedi et de dimanche et j'y répondrai. Sauf que j'y répondrai sans doute un peu décalé. Genre, j'y répondrai pas forcément le matin, je serai en convention, mais plutôt le soir avant de me coucher par exemple, c'est fort probable. Du coup mes amours, je vous fais tout plein de gros bisous, j'ai très très hâte de vous retrouver du coup dès demain matin pour une vidéo artiste Disney, samedi pour un nouveau let's play sur un jeu que je trouve génial, je l'ai commencé, je suis emballée de ouf, et dimanche pour le début de l'épisode 11 de Campus Life, ce qui fait un bon week-end. Je vous fais tout plein de gros bisous, je vous aime très fort, à la semaine prochaine pour Eldaria, merci d'être aussi nombreux, merci d'être aussi géniaux, je vous aime, et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka. Et gros bisous à ma team Rediff, parce qu'on vous kiffe. Moi.